Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente de tourner une petite morning routine du dimanche matin avec bébé Gabriella qui grandit tellement vite. Donc dans un premier temps, je viens préparer Gabriella, donc je lui enlève son pyjama. Elle a déjà marché par terre, tout ça, donc c'est déjà tout noir, mais bon bref, passons, c'est pas grave. Ensuite, je viens l'habiller, donc lui mettre son petit pantalon, son petit haut rose. Ils sont trop mignons, j'adore les froufrous avec les fleurs là sur son pantalon, je kiffe. Ensuite, je viens lui brosser les petites dents. Et oui, Madame Gabriella a deux dents en haut, deux dents en bas, donc comment vous dire qu'il faut faire attention. Donc je viens lui brosser les dents et je viens lui appliquer du coup un petit dentifrice pour les bébés. Et je viens ensuite lui laver le visage avec de l'eau micellaire. Bébé bio, donc voilà, je viens appliquer sur un coton, mais je viens lui appliquer sur le visage. Elle n'aime pas ça, mais on est bien obligé de faire ça, sinon c'est tout cracra. Voilà. Ensuite, direction le salon, je viens monter les volets. Et comme vous pouvez voir, c'est un peu le bazar dans la maison, mais c'est normal. Ensuite, je viens préparer son petit biberon, donc je sors les poudres, le biberon et je viens lui préparer. Ensuite, j'installe Gabriella sur sa chaise avec son petit bavoir du dimanche, un pour chaque jour bien sûr, et c'est parti pour le bibi. Pendant ce temps-là, moi, je viens nettoyer ma cuisine, donc faire la vaisselle de la veille, nettoyer, ranger, bref, voilà, pour qu'il y ait une cuisine nickel et propre pour le reste de la journée. Ensuite, je vais nettoyer le salon. Comme vous pouvez voir, c'est tellement agréable l'accélération. J'adore ça. Voir le avant-après, les résultats. Bon, bref, du coup, voilà. Comme vous pouvez voir, ben, c'est pas mal. J'ai mis les deux chaises sur la table pour pouvoir passer l'aspirateur. Ensuite, je viens mettre tous ces jouets sur la table, dehors, etc. Et je viens tout ranger pour passer aussi à l'aspirateur. Car Gabriella traîne par terre, donc quand elle prend quelque chose, elle le met directement à la bouche. Donc j'ai pas du tout envie qu'il y ait une pierre ou quelque chose qui soit à sa disposition par terre. Donc je fais le ménage. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de jouets dans le salon parce que je trouve que c'est bien qu'elle ait un peu joué dans sa chambre et aussi dans le salon. Enfin, voici un petit moment câlin avec ma fille. C'est deux moments hyper importants pour elle et pour moi. Ensuite, je viens ranger la terrasse et bien sûr, rentrer le linge à l'intérieur pour pouvoir le plier. Voici le résultat de la cuisine. Et donc du coup, je me mets à plier le linge, à parler avec Gabriella, rigoler, etc. C'est un petit moment qu'on passe toutes les deux. Regardez ce qu'elle fait. Ça, c'est le matin, elle adore jouer comme ça. Une petite boîte lui suffit avec des petits ronds. Enfin, vous voyez le petit jeu qui est par terre là.
De base, c'est les ronds qu'on doit mettre dedans. Là aussi, c'est hyper important qu'elle s'amuse, qu'elle développe sa motricité, qu'elle joue toute seule. Voilà. Voilà le moment de la soupe. Donc du coup, je l'ai laissée dans la casserole car je l'ai faite il y a 2 jours. Voilà, Mme Gabriella, je l'ai appelée pour venir manger. Elle grandit tellement vite maintenant, c'est pas possible. Et du coup, elle est venue manger tranquillement. Elle a mangé de la patate douce, avec des carottes, du riz, et ensuite 2 petits yaourts, bien sûr, car c'est hyper important, je trouve, moi. Si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. J'ai trop hâte de te retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui va trop te plaire. Bye bye !